tu sais. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'immigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo. Mais pour Debussy, en revanche, il faut de noir pour une blanche. Ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily. Elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier, le secrétaire, lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que les blancs. Alors, elle a déchargé les cajots, Lily. Elle s'est tapée les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre des choux-fleurs dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Vraiment merci de cet accueil, c'est rassurant, c'est touchant. C'était un beau moment. Encore une fois, merci à Geneviève, Choki, Claire, toute l'équipe des Dialogues de nous avoir invités. Ça fait longtemps qu'on en parlait et c'est fait. Nous sommes là.